Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je sais pas ce qui s'est passé. Je croyais qu'il filmait, mais monsieur a fait des siennes. Bon, on démarre. J'ai deux disques à présenter. Unboxing. Celui-ci, je l'ai ouvert. Je l'ai ouvert parce que, petite surprise, c'est que la caméra ne filmait pas. Et pourtant, j'avais appuyé sur sur le système d'enregistrement. Je vais vous offrir voilà, donc je vous fais un plaisir de vous offrir, tout simplement. J'espère que vous verrez. Voilà, je vous souhaite pour vous, je vous l'offre, d'accord. C'est tout simplement le téléchargement MP3. Voilà, tout simplement, je vous l'offre carrément. Parce que moi, je ne télécharge pas ce genre de choses. Donc, je vous l'offre. C'est pour vous dire que je ne suis pas aussi... Voilà, le premier qui l'a, je serai content pour lui. Alors, voilà. Tout simplement, un double album. Hein, faut le dire. Très double album. Très, très bel album. Alors, celui-ci, je ne l'avais pas. Hein, alors, très bien illustré avec ses chansons comme d'habitude. Ça, c'est là-dessus, Louvain, c'est très très bien. Qui est dommage, c'est que j'ai pas le jour 1 en vinyle. Et voyons comment il est. Eh bien, il est noir. C'est ce que je voulais bien dire. C'est que je me doutais bien qu'il était noir. Alors, double album. Très bel album, bien sûr. Et bien sûr, qui n'était pas dans mon programme d'acheter des vinyles aujourd'hui, hier quoi, pardon, excusez-moi, hein, n'importe quoi. Je fais une vidéo ce matin vers 11h hein, pour vous. Donc voilà, hop, deuxième vinyle, très bel album, hein, franchement, on n'a rien à dire, c'est du Louvain, voilà. Toujours chez Universal Music, voilà, macaron blanc. Voilà, c'est nickel. Hein, c'est un petit album que je recherchais aussi à la FNACO. Et à la FNACO, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait tout simplement qu'à la FNACO, j'ai laissé tomber parce que pour l'instant, j'étais en train d'offrir des cadeaux à mes amis. Et mes amis ont eu des cadeaux. Et surtout mon épouse qui a eu son petit cadeau aussi. Et voilà. Donc. Donc, on continue, hein. Voilà. Il a chance de l'attraper, lui. Alors, j'espère que vous apprécierez cette vidéo. Hein. Il y en a qui n'aiment pas, bon, c'est leur... Ça a été toujours comme ça. Hein. Donc, celui-ci, je regarde quelque chose. Il n'y en a pas des MP3. Alors c'est un double album, c'est la première fois qu'elle a un double album. Voilà, double album. Vous fait plaisir, hein. Voilà, ses nouveaux titres en double album. Alors, les disques. Alors, celui-ci, il est comme ça, c'est, mais je vais vous faire... Ah, j'avais raison, qu'il était noir. Disque noir, donc... J'ai préféré, comme elle avait fait démarrer, mais bon, voilà, ça après, les goûts de couleurs. Hein, j'ai envie de dire un mot, mais tu vas pas me faire hein. Donc, c'est le nouvel album de Aya. Hein, de Aya. Et franchement, très bel album. Honnêtement, entre vous et moi, je ne m'en occupe pas de ce qui se passe dans la vie privée de Awa. Elle a un caractère très spécifique, mais moi, personnellement, c'est la chanson qui m'intéresse. Et en plus, demain ou après-demain, je vais peut-être venir chez Paulette de la Haine.
parce que je vais vous faire un super disque à poil de laine qui est Indochine 81. Voilà, c'est celui, c'est le macaron qui change de couleur, hein, c'est tout. Hein. Donc. Et Olivier a, pour Paulette Delaine, je lui ai offert l'album Indochine de 1981-2001. Un très bel coffret qui ressemble quasiment au mien. Voilà, c'est avec ça que j'ai ouvert. Donc voilà. Donc, je vous le remets pour vous faire plaisir. Mais je vous le dis tout de suite, si vous l'avez téléchargé, je vous remercie, hein, parce que c'est un petit truc qui me gêne à fond, parce que pour moi, je suis contre ce système-là. Et donc, voilà. Donc, voilà. Donc, je vous l'offre. Hein, d'accord ? Donc, je vous repris. Voilà, c'est un petit boxing que j'ai fait, là, avec deux vinyles. Deux vinyles très, très côtoyés à la base. Et ça, je peux vous le dire, entre vous et moi, ça tourne en discothèque. D'accord ? Ça va en boîte de nuit, ça, à la base. Alors, pour votre information, celui-ci, c'est de 2020. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est marqué ici, à l'arrière du disque. Tout simplement. Donc, c'est son dernier album. Et voilà. Bonne carrière pour elle, hein, Aya. Malgré que les histoires qu'on entend sur Facebook, sur les journaux, c'est pour vous dire que les journaux, ils aiment trop dire des âneries. Bon, voilà, c'est tout. Eh bien, je vous remercie, hein, qui n'avait rien à voir. Et il y aura peut-être une vidéo à faire bientôt. Demain, après-demain, je ne sais pas, c'est sur un sujet, on verra. Je verrai le sujet que je vais faire. C'est vrai qu'en ce moment, je ne fais pas beaucoup de vidéos. Hein. J'ai fait quelques vidéos, beaucoup sur le vinyle. Hein. Voilà, vous l'avez remarqué, là j'attaque vraiment le vinyle, plus sérieusement. Donc voilà. Il y aura des vinyles qui vont arriver petit à petit. Il y aura même le même que celui que j'ai offert à Olivier, Indochine. J'aurai aussi d'autres disques. Alors pour l'instant, j'ai pas de nouvelles de Florent Pagny. Le disque de Florent Pagny, pour l'instant, il n'est qu'en. Alors là, d'après ce que j'ai compris, il est approvisionné. Donc je pense que je vais recevoir ça dans les semaines qui vont venir, dans la semaine qui vont venir, peut-être. Hein. Et voilà, tout simplement ce que je pouvais vous dire. Je vous remercie, prenez soin de vous surtout. Et profitez, écoutez de la musique, et si vous avez des vinyles, faites tourner dans vos galettes. Salut, bye!